Bonjour à tous. Alors, c'est un nouveau message. Bah, vous découvrirez dedans qui parle. Alors, je vous donne mon numéro de téléphone. 06 33 35 04 49. Donc, ce message, d'abord, c'est Dieu qui nous parle. Amour, mes chéris, bienvenue dans mon foyer. Un palais peut être froid, un royaume aussi. Un foyer est chaleureux, des présences le composent. Deux êtres de lumière sont les premières accomplies. La lumière, c'est une émanation violente et continue. Marie et Thérèse sont ces sources-là, plus Willy, déjà esprit par contrainte de l'œuvre. Leur rayonnement ne peut faillir, car ce sont eux qui aiment ce rayonnement. Jeanne, Geneviève et René sont respectivement mon épouse, choisie sur la terre, une des filles que nous avons obtenues ensemble, et l'homme fidèle à moi. Passionné par nature, fort et charismatique par sa foi. J'ai nommé René. Lui, Jeanne, Geneviève, n'était pas dans mon plan. Celui-ci, par contre, est de te voir, toi, apprécier ta liberté d'aimer en ne lui donnant que les critères de mon amour et de ton affection. Je conçois que tu aies quelques difficultés à apprécier le nouvel état que je te nomme depuis des mois. Être vivant n'est jamais arrivé à une créature humaine. Tu dois faire tien n'importe lequel de mes attributs, même ta foi en moi, et les actions de vie doivent être conquises. Bien sûr, je ne suis atteignable que par le chemin de l'amour. La première correspondance, celle mariale que je me suis donnée à la signature du verbe « aimer ». La deuxième, qui a gardé son prénom, n'avait pas besoin d'une dénomination verbale puisque je l'avais poussée à n'aimer que moi. Willy m'a aimé naturellement ou presque. Il est vrai qu'il était souvent sous mon regard face à ma manifestation humaine, mais d'autres ont eu le même privilège et n'ont pas réagi avec une affection similaire. Ce sensible état me suffit pour me donner la troisième correspondance capitale, qui ne pouvait qu'être la seule qui s'imbiberait de toutes les étapes de la création de mes sentiments humains. Jeanne et Geneviève, respectivement mon épouse et notre fille, qui s'invitent tendrement aujourd'hui au sein de vos sacrements, étaient-elles programmées pour assurer un jour ou l'autre une simplicité affective pour ceux qui les avaient connus et tous ceux qui désireront cette entrevoie. Dans une autre veine, pour le même but et pour un autre dimensionnement de la fête de la vie, la personnalité d'un visage connu s'extrait des évidences de mes présents pour pratiquer le sien dans les attirances révélatrices terrestres. Je nomme René, connu pour son envergure non commune. Certains de mes disciples anciens ont été proches de prendre leurs essors, mais ceux qui les aimaient sont déjà en moi, et tous trop bercés pour désirer l'aventure de l'éternité. Je garde tout ce monde-là, mais continue de vous inviter à ne plus accepter de scission entre le pic étincelant et son reflet dans le lac qu'il domine. Si je tiens des accents surprenants, c'est que je suis dans la dernière phase de mon œuvre. Te rendant un volume de liberté, tu peux choisir d'aimer. C'est délicat car tu voulais toutes les autres. Maintenant que tu es nourri de vie et que tu n'as aucune autre raison d'être que celle que je t'ai offerte, un trait d'intelligence devrait stopper toutes tes interrogations. Celle du cœur. Tu peux apprendre à aimer ton prochain plus que toi-même. Cela sera encore long pour un triomphe. Le premier des commandements, puisqu'il en fallait un,
c'est de m'aimer de tout ton cœur, de toute ton âme et par-dessus toutes choses. Le cœur est le seul organe qui vit s'il s'épanouit. L'âme se remplit de capacités, de valeurs et de présence. C'était un germe. Cela devient un lieu, un espace. Cette parcelle de mon esprit a un pouvoir d'extension à mon image, si tu préfères à celle de l'éternité. Tu remarqueras que je ne l'ai pas donnée en pâture aux chirurgiens pour qu'ils la voient. Leurs extrapolations unies à leur méconnaissance les auraient facilement empêchés de faire leur métier, dont tu as toujours encore bien besoin. L'âme t'était donc inconnue. Tu pensais que le cœur était un muscle. Il reste ma présence à aimer par-dessus toute chose. Les scientifiques qui poussent leurs investigations ont des difficultés pour s'extasier devant un beau meuble ou autre chose terrestre, car leur savoir leur dit qu'ils ont devant les yeux des traces de particules, des atomes complexes ou plus subtils des fragrances, mais encore atomiquement amis. Il me semblait simple à comprendre que si tu portes une montre, il a fallu un horloger. Laissez venir à moi les petits-enfants, ils peuvent comprendre. Bien sûr que si tu ne gardes pas cette simplicité, tu ne peux pas croire au miracle. Puisqu'il n'y a que dans ton âme, il n'y a pardon que ton âme qui abrite le logiciel, donc la raison, la complexité et la logique. Dans cette logique, tu ne peux pas faire un premier pas avec ton cœur, puisque l'amour est éternel, et que tu jettes ton dévolu sur celui ou celle qui, comme toi, ne peut pas croire à la réalité de la pérennité des sentiments. Des éclairés et des inspirés, à force d'introspection et de méditation, caressent des plénitudes que le bonheur marie. Je fais plus avec ces futures présences d'amour qu'avec la majorité de mes enfants, qui ondulent pour le mieux dans les ondes de l'espoir, ou coulent même trop souvent, dans des creux de vagues inquiétantes. Les arts, perpétués au cours des temps, révèlent toujours une transcendance des monotonies ordinaires. Mais la croissance par la passion d'un art pâlit devant l'adversité journalière. Dramatique. L'art d'aimer est la culture de séries d'actions qui te font goûter au plaisir de la dimension créatrice. Mon cher Willy, toi qui es mon dernier atout, engagé à mon service, j'aime t'entendre. Et donc là, c'est Willy qui nous parle. J'aime ton appel, mon Dieu aimé. J'ai bien sûr à dire pour dévoiler ma vie. J'agis comme toi, masqué, sur la terre, dans les débats, les assemblées de toutes sortes. Et j'aime cette action. Mais elle reste inégalée par rapport à un appel personnel, une sensibilité qui me nomme et qui a besoin de ma présence. Je vis cela dans les sacrements où j'entre, car la porte est ouverte. Être découvert dans le pain de vie par la nommée Michel m'a décollé de mon état. Définir sincèrement un attrait pour moi abaisse le pont-levis et ouvre la herse du château que l'on croit hanté par moi. Si l'on m'invite, je ne suis plus évité, et je pressens autrement que par la passion divine les naturels fruits des échanges de présence à présence. Certains aiment trop encore leur tour d'ivoire, et même vous qui goûtez au plaisir de vous savoir intégré au sein du foyer, qui aimez ou recherchez ces atmosphères bénies, vous êtes les Jonathan modernes, qui savent que l'action vers l'autre est l'aboutissement provisoire, mais capital, car sur la glaise ou sur leurs ordures, d'autres goélands s'essayent à s'élever, à aller plus vite, à voler vers l'horizon pour voir s'ils se repoussent. Sans le savoir, ils t'attendent, au sein de leurs craintes et de leurs espoirs. Ils t'attendent comme tu m'espérais. C'est maintenant ensemble que nous allons leur dire qu'ils avaient raison d'espérer, de croire. Car des frères leur ressemblant, mais différents dans leur dimension, savent. Ils n'ont plus besoin de croire, ils savent qu'ils épousent le vœu millénaire de Dieu. Ils savent, eux et moi, et nous le voulons. Tous les éclairés ont su très vite, miraculeusement, si l'on y pense, que nous ne connaissions pas le mal.
Sur la terre, comme vous, et directement de la bouche de notre Père, les mots mort, mal, anéantissement nous montraient la guirlande éteinte qui n'avait rien à voir avec Noël. Aujourd'hui, alors que vous êtes vivants, à l'orée de la fête de la vie, que nous nous aimons tendrement, que les preuves apparaissent, que le foyer révèle son unité, les mots du passé ne peuvent plus avoir cours. Le ciel a toujours été infiniment plus grand que la minuscule planète Terre. Il était normal que celle-ci se fonde en lui. Comme nous, pour renaître, nous devions volontairement le choisir. Lorsque le sacrement remplit sa fonction, lorsque le sacrement remplit sa fonction, ou le dialogue te fait vivre l'amour, les mots simples remplis de substance dévoilent les présences. Le passé, les obligatoires prises de conscience, fuient, et seule l'œuvre sauveuse et transcendante révèle la permanence de l'été. Le soleil bien calé au zénith exulte ton corps en révélant ton âme. Te dire que tu as quitté la terre serait une ineptie, mais le ressenti tellement agréable dans la révélation si simple des sentiments et le voyage dont les étapes font goûter à la destination. Le plaisir ou même le bonheur que tu éprouves est celui que tu nous donnes. Entendre parler d'amour à l'horizon de tes oreilles, savoir la vérité d'un sentiment, exemple pour moi avoir pris à mon compte l'imposition de Dieu de travailler pour toi et la transformer en besoin de te chérir en épousant l'amour qu'il te porte. Et là, c'est Dieu qui finit le message. Donc c'est Dieu qui nous parle. Quand je construis un être, les accents de l'impact de la construction n'ont rien à voir avec ceux de l'évolution. Elle était aléatoire à cause de ta liberté, mais exponentielle dans la croissance. Puis, quand la présence voit ou entrevoit l'éternité, tu arrives au but de concevoir que les êtres de lumière n'avaient que la mission de t'intéresser à moi. Leurs exemples doivent te remplir de joie, car leurs intelligences des choses, le sentiment ciblé sur toi de savoir qu'ils t'aiment, en tant que frères et sœurs, sont tes passe-droits pour toucher à ton futur éternel. Mon œuvre a des noms. Ce sont des présences. Comme tu le vis sur terre dans ta matrice, tu n'es jamais autant en vacances que lorsque tu échanges des idées ou des sentiments avec la personne que tu apprécies. Tu n'aurais pas ces émotions si je ne m'étais pas engendré amour. Je vis depuis que j'ai le vœu de te voir naître dans la même optique, ne plus me contenter d'acteur d'un théâtre animé, de robotisation sophistiquée, plus simple, de pantins pinocchiesques figés dans leur nature sans âme. Reconnais que c'est un joli besoin de vouloir te donner la vie. Seul, j'étais le bonheur d'être. Avec toi, je ne connais pas la nature du bonheur que tu peux m'apporter. Puis-je te parler d'impatience? Non. Plutôt ce moment où le centre du tourbillon engouffre ce qui périclitait dans le grand cercle du début de sa création. Au moment où tes scientifiques perçoivent que le centre d'un trou noir ouvre le chemin vers un autre univers, simplifie-toi les choses. Appelle-le toi et moi. Amour, mes chéris, votre Dieu. Mon téléphone, je vous l'ai donné, je vous le redonne, 06 33 35 04 49. Alors c'est un immense plaisir de recevoir ce verbe. Les phrases ne viennent pas comme ça, quelquefois il faut 10 minutes pour recevoir une phrase. Par contre, je suis sûr quand je l'écris que c'est celle-là qui devait effectivement être là. Donc si vous voulez, vous pouvez m'appeler, je pourrais même vous apprendre à accueillir le verbe, parce que je suis homme parmi les hommes, et on a tous la capacité d'accueillir le verbe, que Dieu parle par nous. Ou Marie, Thérèse, en fait tout ça, vous pouvez
vous rendre compte qu'il y a des merveilles que tout le monde encore ne connaît pas. Voilà, je vous embrasse tous et maintenant je vais enregistrer ce que je viens de lire qui était mon accueil. À très bientôt pour d'autres nouvelles du ciel.